Ah, j'ai oublié de mettre le filtre même. Désolé, hein, j'ai oublié de mettre le filtre. Il faut partager le live, s'il vous plaît. J'ai pas envie de mettre le filtre. Les conditions d'aujourd'hui vont être un peu être un genre. Mais on va parler. C'est ça qui est ça. Et je vous dis que ma nouvelle va durer 20 jours. À partir d'aujourd'hui, c'est 20 jours. Donc, veuillez partager, s'il vous plaît, le live. La nouvelle, c'est 20 jours. Bien compté. Donc, partagez le direct. Partagez le live, s'il vous plaît. Le corps à corps, maintenant, c'est tous les soirs. C'est ça qui est ça. Mettez les cœurs et partagez le live, s'il vous plaît. On va dire aux Camerounais, à la nation, on va dire les vérités. Oui. On va délivrer la délivrance de ça. Mettez les cœurs et partagez. Je vais parler de ce que je sais. Pas les histoires ramassées de Facebook. Ah oui, 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 oui. Parce que ce que la cuisinière, la custo, parle là. C'est le ramassis sur Facebook. C'est du, ça dit que c'est du réchauffé et c'est du rassis. Oui. Mon direct va durer. Ça va durer 20 jours. Tous les soirs. Partagez dans les groupes. C'est 20 jours. La nouvelle, c'est 20 jours. C'est 20 jours. 21 jours, c'est mieux. D'accord, on en manque un jour. La tenue militaire, non, je ne suis pas à la maison, chérie. C'est l'introduction. Le vrai direct commence demain. Ça commence lundi. Ça, c'est seulement, je vais vous donner seulement pendant les 21 jours. Vous avez dit 21 jours. Ça va durer 21 jours. On va décortiquer. Je ne mets pas le filtre. Je ne vais pas mettre le filtre. Mais verrez partir dans les groupes. Le monde entier doit savoir. Ça doit arriver à étudier. La cuisto dit quoi? Cuisto. Cuisto, partagez le direct, s'il vous plaît. On va décortiquer. On va dire à la cuisto que... Je ne mets pas le filtre. Et je ne mets rien. Je ne suis même pas maquillée. Parce que le soleil m'a tapé aujourd'hui. Mais que nous sommes ensemble. On va se dire les choses. Je ne vais pas crier. Oui. Mettez les cœurs et les étoiles. Mettez les cœurs et les étoiles. On va commencer depuis l'époque. Oui. Et demain soir, mes chers frères et sœurs, je vais mettre les lentilles. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est ça qui est ça. Mettez les cœurs et partagez, je dirais, partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Je vais faire ce direct avec la marmite, c'est l'introduction. D'abord. Allez, ça qui sert. Nous, c'est bon. Mets-moi les oignons ici dedans. Mets-moi un sac d'oignons. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Oui. Mes chers compatriotes, partagez le live. L'heure de la rigolade est terminée. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Je ne suis pas chez moi. Je suis en famille. Et je vais respecter les conditions de la famille. Je ne vais pas crier. Je vais parler doucement. Je vais dire à la cuisto que depuis qu'elle a quitté sur le baoba, j'ai pris le pouvoir. Et que si le clan c'est la résistance, je suis résistante. Elle va rentrer
C'est quoi? Qui m'appelle? Allô? Oui? Non, oui, je t'appelle après. Merci. Mes chers frères et sœurs, elle a mangé, tout à l'heure. Non, la mère m'a enduite. Mes chers frères et sœurs, non, elle a mangé d'abord, non. Je porte cette marmite pour vous annoncer que désormais, tout, mais pendant 20 jours, 21 jours, je vais mettre la marmite sur la tête. Ça sera la marmite de sac d'oignon. Je vais m'asseoir comme ça, tout mes directs. Pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Ta part va s'arrêter. Ouais, c'est quoi, non? C'est comment? Qui m'appelle? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui? Oui, c'est ma Flo, Oui, c'est Flo de Lille, oui. Je vais bien, merci. Tu en dirais de moi, hein? Mets les étoiles. Mets les étoiles, tu mets les gueules. Mets les cœurs, alors, partage. C'est partager, t'es pas, c'est papa. Tu fais cliquer. Tu partages dans les groupes, même dans les groupes de sorcellerie. Tu partages, même chez les Chinois. Même chez les Chinois. Tu mets même chez les Chinois. Oui, partage seulement même en Chine. Tu mets. C'est aujourd'hui que le vrai clash commence. Mettez les étoiles, s'il vous plaît. Les papas Kongosa. Mais que... Je vais faire le direct qu'avec le sac d'oignons et les marmites sur la tête. Le jour que ça me dépasse, je prends les cuillères et je dépose. On parle d'une dengue. On va introduire. Ma nouvelle va durer 21 jours. Ça sera 21 jours. Quand on respecte les gens, ils pensent que c'est parce qu'on a peur d'eux. Nyangono Christo. Une femme qui est arrivée en Europe en 1996, quand nous, on ne rêvait pas encore de Mbeng. Elle arrive en Europe en 1996, quand nous ne rêvons pas encore d'arriver en Europe. Son parcours, elle commence en Suisse. Elle vend le piment, elle fait le feu. Elle boit, elle fume le elle fume le cigare. Elle traînait avec les Feynman. C'était l'appât des Feynman. Elle a raconté quoi de bon? Nyango Nomabik, tu n'as rien dit de bon. Tu étais crédible avant. Mais j'ai compris que au départ, tu étais crédible. Mais j'ai commencé à comprendre que tu es une menteuse et une manipulatrice. Tu peux dire ce que tu veux. Que je couche avec les chiens et les chats et les serpents, tout ça là, c'est déjà... Tu n'as rien dit de bon. Je vais parler de toi. Agotok, je vais parler de toi. Pas les histoires que tu fais. Tu crois que tous mes détracteurs se joignent à toi pour me clasher. Ma chérie, je suis la seule qui t'a toujours soutenue. Depuis que tu as les problèmes... sur Facebook. Je suis la seule qui te soutient, qui parle avec toi. J'étais ici à Franconville. Je t'ai donné un marché quand, au moment où tu étais le plus bas. Je vais parler de toi étape par étape. Oui. Je vais parler de toi étape par étape. Et je vais parler de toi et je vais mettre les voices. Pour montrer aux Camerounais que toi et moi, on s'entend très bien. En fait, on se respecte. C'est ça. C'est seulement l'introduction ce soir pour te dire que ce que tu cherches,
sur Facebook. Là. Aujourd'hui, ça va s'arrêter. Tu es venu avec un problème sur Facebook. Les gens, chacun est libre de donner son avis. Tu ne vas pas dire qui va parler, qui ne parle pas. Ce qui te fait mal, parce que je t'ai dit la vérité, je t'ai dit que ce que tu parles de Lady Ponce, qui est ta patronne, ton ex-patron chez qui tu lavais les caleçons et les serviettes, tu la servais dans le lit. Tu préparais, tu servais dans sa chambre. Tu étais sa bonne. Tu arrives en 1996. Quand tu t'estimes très bien en Europe. Tu ne vois pas que tu finis domestique chez une femme comme toi. C'est d'abord l'échec. Tout le monde peut tomber, mais tu es tombé plus bas que terre. Tu vas laisser les nyama-nyama que tu fais là. Tu vas te concentrer avec moi. Oui. Tu as compris? Tu crois que je ne parle pas parce que je te respecte. Parce que je te respecte, je respecte ton choix de réclamer ton argent. Mais je t'ai dit la vérité en disant que ce que tu dis là, que ça n'a aucun impact sur le conseil. Au contraire, tu fais la publicité. C'est la vérité que je t'ai dit. Je ne t'ai pas clashé. Je t'ai dit que tu fais la publicité de l'Olympia. Que ça n'a aucun impact parce que je voyage, j'entends les gens parler. Même ceux qui ne connaissaient pas la star achètent les billets pour venir. Si je t'ai dit ça, c'est mauvais. Parce que tu vas entendre ce qui te plaît. Je vais parler d'abord. Au départ, quand les problèmes commencent. Parce que si je vais mélanger, faire le parcours de ta vie. Tu dis que j'ai les problèmes avec tout le monde. J'ai eu les problèmes avec tout le monde sur Facebook. Ce sont les gens de Facebook. Mais toi, tu as eu les problèmes avec toutes les personnes avec chez qui tu as habité. Tu as habité à Nice. Chez une dame là qui est mariée, un blanc qui est riche, je ne connais pas tous les noms. Tu as habité chez Pisca Biolo. Tu as habité chez un homme ici à Franconville. Je suis venue te voir, te chercher là-bas. Quand tu as fini là-bas, mon ancien président t'a payé 8 mois d'hôtel. Bien démenti. Il t'a payé 8 mois d'hôtel. Tu es resté à l'hôtel. C'est mon ancien président, mon ancien père t'a payé 8 mois d'hôtel. Pour que tu restes à l'hôtel, tu n'avais pas où aller. Quand le gars t'a jeté, tu avais le sac d'oignons sur la tête ici à Franconville. Quand il t'a jeté, tu n'avais pas. Et ce gars, c'était qui? C'était le manager d'une artiste Bikoussi avec qui tu t'es clashé. Un gars qui manageait une autre femme Bikoussi qui chante là, je ne dis pas son nom. Oh ya ya, eh, oh ya ya. Et tu es sorti avec son manager, il habite à Franconville. Quand tu as commencé à la clasher, c'est parce que le gars t'a jeté. Quand il t'a jeté, tu as porté le sac, tu as réclamé le sac d'oignon. C'est où je t'appelle ma oignon Yvou. Tu veux quoi à la nation? Tu dis que j'ai les problèmes avec tout le monde. Tu sais pourquoi on t'a récupéré à Paris? Tu sais ce qui s'est passé pour que tu reviennes dans la place parisienne? Si tu étais vraiment chef, pourquoi tu n'ouvres pas un restaurant à ton nom? Tu travailles où? Le restaurant qui est difficile, là, tu peux être chef dans un restaurant, tu vends les perruques, tu escroques les gens avec les sacs à main, tu fais ceci. Tu ne peux pas travailler en cuisine et faire ça. On va aller étape par étape. Tu as passé les annonces et tu travaillais chez ta patronne. Tu as passé les annonces et tu recevais les clients là-bas. Tu es une prostituée. Je vais démontrer au Cameroun que tu es une prostituée qui a vendu le piment et qui continue de vendre le piment. Tu le sais. Tu le sais. Je vais revenir un peu en arrière. À l'époque, quand tu clashes NK pour chercher à rencontrer Samuel, tu n'avais jamais rencontré Samuel. Samuel, tu ne l'as jamais rencontré. Du moins, tu ne l'avais jamais rencontré. C'est quand tu as commencé à habiter chez la star qu'elle a négocié, on t'a donné 2 chèques. Je vais revenir là-dessus. À l'époque, avant que tu n'habites chez Lady Ponce, tu errais. Tu étais déjà sans abri. Et un jour, tu as appelé une fille que je connais avec qui j'ai eu les problèmes. Je ne vais pas prononcer son nom. Je vais épargner son nom. Tu as demandé qu'elle te passe l'annonce sur Niamodel et sur Viva Street. Tu avais besoin de 150 euros. C'est ce jour-là que je suis venu faire le direct. C'est où tu as arrêté. Tu insultais Caro d'Abena à l'époque. Tu te souviens, il n'y avait pas encore les directs. C'était sur YouTube. J'étais avec une fille que tu avais demandé qu'elle te passe l'annonce. Tu avais demandé l'annonce à la fille. Tu n'avais pas 150 euros. Il y a de cela au moins 10 ans.
tu manquais 150 euros pour passer l'annonce sur Viva Street et sur Nia Model. Tu as demandé que la fille te passe l'annonce. J'étais là, elle a 1000 euros par l'heure. Donc la fille s'y vend le piment. J'étais assise là, Coco, tu le sais. Tu t'es l'équipe de prostituée. Quand tu as fait la pute, ça n'a pas marché. Tu te souviens à l'époque, avant que tu n'habites chez Lady Pont, tu manquais d'un 150 euros pour passer l'annonce sur Viva Street et Nia Model. Tu as demandé le prêt de 150 euros. 150 euros, tu te souviens? Très bien. Je m'arrête là. C'est où je suis venue dévoiler que tu faisais la prostitution. Et j'ai démontré la fille. J'ai dit que tu étais là. Tu as appelé. Tu as commencé à appeler qu'on te passe l'annonce. Que non, tu n'as même pas travaillé et tout et tout. Oui, tu as dit que tu n'avais pas travaillé. En ce moment-là, c'est Lady Ponce qui retenait ta vie. Ce n'est pas elle qui retenait sa vie. Il y a de cela 10 ans aujourd'hui. Tu as erré dans combien de maisons? Tu as erré dans combien de maisons, Coco Lago? À ton âge, belle comme tu es la femme des blancs. Tu n'as pas pu trouver un blanc qui t'héberge même en contre-nature pour que tu couches avec lui, tu habites. Tu es pas, tu ne sais pas que c'est le ndoutou. Tu es une fille qui a le ndoutou depuis. Tu cherches sur qui tu vas coller ça. Ce n'est pas les affaires que tu veux. Tu veux autre chose que les affaires. Tu veux l'argent, mais tu n'auras pas. Tu as les soeurs à la présidente, tu es de Mandanga, non? Tu crois que tu vas tromper les Camerounais comme ça? Au début, je croyais en toi. Je croyais que ce que tu disais était vrai, alors que c'était faux. Quand je commence à parler avec toi, je vois avec Lady Pont, quand j'arrive au Cameroun, il y a de cela, il y a longtemps, j'arrive au Cameroun, je parle de ces choses. Tu es une poisseuse incarnée. Je vais te donner ton CV quand tu as vendu le piment. À l'époque. À l'époque des temps de qui là? De Oum Niobe jusqu'à aujourd'hui. Que tu vends le piment. Tu n'as plus rien fait. Tu accuses tout le monde. Si tu as raté ta vie. Tu as raté ta vie. Tu accuses tout le monde. Hein? Parce que tu as trouvé... tu as trouvé qui tu vas coller ton doudou. Tu penses que tu peux salir une diva. Une icône. Comme Lady Ponce, on te laisse. Parce que les Camerounais, regarde, ils en rigolent. Mais elle ne mérite pas ce que tu dis. Coco Lago, tu habitais chez Prisca Biolo. Tu es parti avec les problèmes. Tu habitais au moins chez... Sans compter ensuite, tu habitais chez beaucoup de personnes en région parisienne. Tu es une femme, toi. Il fallait vendre le piment. Tu loues même la sous-location comme tout le monde. Tu dis que tu cuisines. Tu cuisines quoi plus que qui? Qui t'a fait connaître dans la cuisine? Quand les gens te rejetaient, qui t'a fait connaître? Ouais, non. Qui t'a fait connaître en cuisine? On t'avait ignoré, on t'a employé dans un restaurant à Paris, dans un restaurant africain. Tu as fait les problèmes là-bas, dit que tu vas empoisonner les gens. Personne ne voulait plus de toi. Personne. Qui t'a amené dans la place parisienne que tu aimes un peu, que les gens ont un peu d'amour pour toi? C'est mon ancien père. Il t'a ramassé. Il t'a amené parce que tu lui faisais à manger un jour. Ce n'était même pas un jour, il te payait. C'est comme ça qu'il a commencé à filmer pour montrer aux Camerounais de t'aimer. Parce que tu fuyais, tu te cachais. Tu ne pouvais pas marcher parce qu'on t'appelle machiavélique. Oui, tu es une femme que tout le monde avait peur. Personne ne pouvait manger ta nourriture. Les gens commencent à manger ta nourriture quand tu arrives quand tu arrives à mon anniversaire et je t'ai payé. Tu n'as pas fait gratuitement pour te motiver parce que tu es une Camerounaise. Je t'ai motivé parce que je suis venue ici à Franconville. Je t'ai donné l'argent pour que tu fasses les petits trucs là à mon anniversaire. Je t'ai payé. Je suis une grande dame parce que je t'ai payé. Je n'ai pas demandé gratuitement. Toi, tu parles, vous allez m'excuser, mais je vais prononcer son nom. Moi, j'ai réclamé mon argent avec Amot. Pas avec Amot, à sa femme. Avec raison et je n'ai aucun regret. Coco Lago, Amot a payé l'hôtel pendant 8 mois. T'as payé l'hôtel pendant 8 mois à Paris. Lady Pont ne voulait pas te prendre. Elle ne voulait pas, elle ne te connaissait pas. C'est mon frère Dieu Cyclone que tu as lavé, rincé. Vous faites vos choses, vous croyez que vous allez mettre. Dieu Cyclone n'est pas dedans. Vos conneries que tu fais parce que tu veux cogner les têtes de tout le monde. Ça veut dire que tu fais le clan. Fais le clan une place. Les clans, c'est une. Pourquoi tu mélanges tout le monde? Pourquoi tu mélanges tout? Tu n'as aucun secret sur moi. Et toi, au moins, on n'a aucune confidence. En dehors qu'on se parlait, on se parlait. Tu vas venir dire quoi? Toi et moi, c'est 21 jours, tous les soirs. Coco Lago, tu es une fille qui porte la poisse.
Tu es une méchante personne. Tu es une vampire. Tu es dotée d'une méchanceté qui n'a pas le nom. Ya, crions sur elle. Crions sur elle. Tu n'as pas encore dit quoi sur cette femme qui t'a donné où dormir. Vous connaissez ce que c'est que te donner un endroit pour poser la tête ici en Europe? Te donner une nuit pour dormir, quelqu'un t'a hébergé pendant 8 mois à Coco Lago. Tu as vécu. Parce que quand on entend parler, les gens pensent que pendant 2 ans, tu es resté chez Lady Pomp pendant 8 mois. Coco Lago, avant que tu n'arrives là-bas, il avait les gens qui s'occupaient. Quand on parle des enfants, on dirait qu'il y a un bébé. Il n'y a pas un bébé parmi. Tu as vécu là-bas. Est-ce que tu payais le loyer? Tu ne payais pas le loyer. Ça s'appelle échange de services. Tu as vécu là-bas. Tu ne payais pas le loyer. En échange, tu faisais son ménage. Je connais les étudiants qui le font. Les étudiants le font ici en euros, mes chers frères et sœurs. Quelqu'un qui te donne où dormir ici en bain. Il faut remercier la personne. Il faut remercier quelqu'un qui te donne où dormir. Quand tu étais dans le moment, même Amot qui était l'ami de ton gars, tu voulais habiter chez lui. Tu voulais habiter là-bas, dis la vérité. Tu as demandé à vivre chez lui, il t'a dit non, il préfère te payer l'autre. Tu imagines que si tu vivais chez lui, tu allais sortir là-bas avec quoi, maman? Ouh, ya! Yeah. Tu voulais habiter, il a préféré te payer l'hôtel pendant 8 mois. Tu as vécu là-bas. Il peut être tout ce que tu dis là. Mais ce monsieur, c'est un homme qui a un cœur. Tu as compris? Il t'a aidé. Il t'a aidé. Il t'a payé 8 mois d'hôtel. C'est Dieu Cyclone. Là, tu penses ne te connaissait pas. C'est, tu étais l'ami de Dieu Cyclone. Tu as demandé à l'habiter. Tu as habité là-bas. Tu as rendu service. Vous avez rendu service. C'est quoi le problème? Réclame tes mamies doucement. Tu es allé trop loin. Tu te permets de dire que l'enfant, tu parles de ses enfants. Coco Lago, tu as un cœur. Tu dis que son enfant vend la drogue. Tu as raconté plein de choses sur ses enfants. Sur sa fille qui a 14 ans. Tu parles d'elle. On veut parler. Tu parles de bébé ange. Pourquoi tu as perdu la garde de ton fils? Bébé ange. Viens dire la vérité au Camerounais. Le père t'a porté plainte que tu n'as pas. Tu es de maison en maison avec l'enfant, un fils unique. Coco Lago, quand une femme vient en Europe, la première des choses qu'elle pense, c'est faire venir son enfant. Tu as une grande fille au Cameroun. Pourquoi tu l'as abandonnée? C'est toujours Lady Ponce qui t'a fait abandonner. Hein? C'est toujours elle qui t'a fait abandonner. Tu es grand-mère combien de fois? Tu es grand-mère combien de fois? Elle a mal fait de t'héberger chez elle. Elle t'a hébergé chez elle. Tu me dis que je pleure l'anniversaire. L'anniversaire que je suis venue, j'ai donné en tant que Rupero. Je suis venue accompagner. On m'a dit allons à l'anniversaire. J'ai donné 500 euros. Et c'est à toi. Coco Lago, Lady Ponce te faisait tellement confiance. Elle te faisait terriblement confiance parce que je me souviens quand je suis montée en haut donner l'enveloppe. Elle a pris l'enveloppe et elle t'a passé l'enveloppe, Coco Lago. Si je manque, le Seigneur me punisse. Si je manque, cette mamie descend et tombe par terre tout de suite. L'enveloppe de 500 euros. Pendant que tu vivais chez Lady Pont, tu m'as déjà vu là-bas. On t'a dit que je cours derrière les stars. C'est une femme que je respecte parce qu'elle était mariée à mon frère. Tu montes toi-même, tu as contribué pour que ce mariage se termine. Tu as beaucoup contribué pour que le mariage finisse. Tu veux parler de manipulation. À 65 ans, on manipule une personne. Tu n'as pas honte? Tu détruis la vie des gens. Tu parles que quoi? Je ne peux pas détruire la vie des gens comme toi parce que tu en as fait. Tu as détruit la vie des gens comme ça. Hein? Ton enfant est où? Bébé ange que tu as souffert pour accoucher. Là, bébé ange est où? Tu vis, tu as fui la France où il y a les aides avec la carte de 10 ans. Tu as fui la France pour aller vivre au Luxembourg. Dans l'hôtel, bébé hôtel au Luxembourg. Montre la cuisine, on voit. Tu vis à l'hôtel. Tu vis à l'hôtel. C'est seulement l'introduction. C'est seulement l'introduction. Si tu as fui la France avec tous les aides, depuis quand une femme a un enfant unique et donne la garde au père? Mais indigne. Nous, on a souffert avec nos enfants ici que tu tires. Aujourd'hui, mon enfant, mon bébé d'aujourd'hui, c'est ma mère. Je pars partout avec elle quand je peux. Hein? Tu ne pouvais pas chercher un bébé, c'est ça, pour payer. Moi, je paye 200 euros la semaine pour garder ma mère. Toi qui es une femme belle, tu as ceci, cela. Tu es une mère indigne. Tu n'as pas pu garder ton enfant qui a besoin. L'enfant a besoin des câlins. Tu accuses Lady Ponce qu'elle abandonne ses enfants. Toi-même, c'est pareil.
Elle abandonne, elle était au Cameroun. Toi, c'est pareil. Tu abandonnes l'enfant étant dans le territoire, en Europe. Tu ne vis pas avec ton enfant. À cet âge, c'est à l'heure si l'enfant a besoin qu'on lise la lecture. L'enfant a besoin des câlins. L'enfant a besoin que la maman parle. Tu n'as pas honte de vivre avec un enfant en Europe sur WhatsApp, que le père t'appelle sur WhatsApp pour que tu vois bébé Ange. Il a peut-être 5 ans. On peut abandonner les grands enfants qui savent faire le riz sauter. Parce que dans les enfants de ta patronne, je ne vois pas un qui ne peut pas aller acheter le kebab ou bien le riz sauté ou le grec comme les enfants font ici. Bébé Ange ne peut pas acheter le grec. Bébé Ange n'a que 5 ans. Va récupérer bébé Ange. Tu sais, il y a un truc que j'aimerais poser d'abord des questions, te poser des questions avant de continuer. J'aimerais savoir pourquoi tu ne parles jamais de ta mère. Parce que la bénédiction d'un enfant passe par sa mère. Je veux savoir pourquoi tu ne parles jamais de ta mère. Pourquoi tu ne parles jamais de ta mère? Je veux parler avec ses mamies sur la tête sans que ça tombe. Je suis une fille qui a grandi aussi au village. Je suis partie en vacances au village. Je peux porter le sac de manioc comme ça 10 km sans toucher. Oui. Je lui demande, je demande à Coco Lago que ma grande soeur, pourquoi tu ne parles jamais de ta mère alors que la bénédiction d'un enfant passe par sa mère? Tu pleures seulement ton père, pourquoi tu ne parles jamais de ta mère? C'est une question que je te pose. Va faire les rites traditionnels. Pourquoi tu fuis le Cameroun avec la carte de séjour? Parce que tu es une fille qui croit beaucoup à la sorcellerie. Arrête les marabouts. Les marabouts sont les menteurs. Tu ne peux pas aller à l'église et tu pars chez les marabouts en même temps. Arrête les marabouts, Coco Lago. Ce que tu as enterré là-bas, je l'ai dit, pense, il faut que tu ailles déterrer au manoir. Le manoir que tu peux dire bonjour à ta star, à ta patronne. Tu voulais qu'on passe par toi. Ce que tu as enterré là-bas, il faut aller déterrer. Pourquoi tu fuis? À moi, elle m'a dit de te dire de venir récupérer les mamies. Tu m'as dit, à moi, Coco, tu m'as dit que tu ne prends plus. Avant, tu m'avais dit que tu ne prends plus. Que parce qu'on a pratiqué dessus. Pourquoi tu crois autant à la sorcellerie? Ton totem est déposé là-bas en train de s'enrouler sur tes affaires. C'est ton totem qui est couché là-bas. Hein? Ton terminus, c'est moi. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ton terminus et que toi et moi, on va se faire les clashs. Je n'ai pas encore commencé avec toi. Parce que je ne suis pas chez moi. Oui, je n'ai pas commencé avec toi. Coco Lago va te clasher tous les soirs. Et rien ne va faire. Même la France, si tu ne vas plus mettre pied. Si je mens, si tu as un mariage ici, bip, fais le direct que je suis à tel endroit. Je vais te montrer que je suis fille qui a grandi à Roubaix. Tes histoires que tu parles, que tu as grandi, que machin, tu connais les sœurs, tu peux effrayer qui? Si tu effrayes tes sœurs là, tu ne peux pas me faire peur. Je suis fille Chan. Je suis fille de la main noire. Oui, je suis fille de la main noire. Tes choses que tu faisais, tu parlais de Dieu, c'est que je ne sais pas écrire, je ne parle pas bien français, comme tu dis. Hein? Tu pleures ta vie. Je ne connais aucune femme qui a grandi, qui a vécu en Suisse. À l'époque, on dit que le piment se vendait en gros. Tu n'as rien fait, tu n'as rien. Tu n'as pas honte d'être sans-abri. Coco Lago, je n'ai jamais été sans-abri. Sans-abri en Beng. Au début, tu vis chez les gens. J'ai vécu chez les gens. C'est normal. Tu n'as pas honte? Tu peux me parler. Va parler à ta patronne. Parle à tes soeurs là. Mais tu ne peux pas me parler, ma chère. Parce que j'ai réalisé, j'ai fait le Terminator. Tu ne peux pas te comparer à moi. Ce que j'ai fait, tu as 100 ans d'avance. Ça dit que j'ai 100 ans d'avance sur toi. Payer le billet d'avion pour aller à l'enterrement de ton oncle t'a dépassé. 550 euros. Hey, Boza. Tu viens dire qu'on a confisqué la clé tombale. Que tu voulais d'abord aller? Hein? Est-ce que tu voulais aller? L'enterrement de ton oncle, tu dis qu'on a confisqué la clé tombale ou c'est la pierre tombale. Ce qui te choque, c'est parce que tu sais que tu n'as pas totalement raison sur tout. Parce que tu es manipulée, tu es menteuse. J'ai pas confiance aux gens qui croient trop à la sorcellerie. Moins de choses, tu parles des totems. Moins de choses, moi, les gens comme ça, là, ce sont des personnes qui pratiquent beaucoup. Tu es celle qui dort chez les marabouts. Oui, celle qui marche avec les choses.
Pourquoi depuis autant d'années chez les marabouts là? Parce qu'une personne qui parle toujours de la sorcellerie, de la... pourquoi tu n'es pas allé? Ça veut dire que parce que tu crois trop au marabout. Pourquoi tu crois au marabout? Hein? Tu es une tireuse de valises SDF. Tu es en Hollande. Tu fais quoi là-bas? Tu peux cuisiner quoi dans bébé hôtel? Que les odeurs de nourriture, tu peux cuisiner quoi dans les une pièce où tu es? Tu ne vas pas rester longtemps là-bas parce que tu vas encore fuir. Tu vas aller dans quel village? Tu as vécu même dans les villages, ça n'a pas marché. Tu viens parler de quoi? Parce que tu parles, on ne te dit rien. Si je ne te réponds pas depuis, il y a un problème sur Facebook. J'ai le droit de donner, je dis bien que j'ai le droit de donner mon opinion. Si vous ne voulez pas que vos problèmes arrivent sur Facebook, vous n'en parlez pas. Pourquoi tu veux que... Tu penses que tu peux boycotter l'Olympia? Hein? Tu ne peux pas boycotter... Tu es qui? Tu as quelle puissance? Tu as fait quoi on a vu? En dehors de faire frire les prunes avec le bâton de maillon, qui ne peut pas faire les prunes, le bobolo revisiter? Toujours les raches, tu copies même les nourritures. Tout ce que tu mets sur ta passe, ce n'est pas toi qui fais. Tu prends les nourritures des chefs dans d'autres pays africains, tu postes sur ta page. Tu cuisines bien, je n'en dis qu'on vient pas. Mais je peux sauter le bobolo avec l'oignon. Ça, c'est rien. Le bobolo sauter avec l'oignon, c'est quoi? Tu parles de quoi? Je n'ouvre pas la ligne. Je vais te dire tes vérités et je ne vais pas ouvrir la ligne. Parce que là, ce n'est pas encore les clashs. Arrête de croire au marabout. C'est pas possible, tout le monde veut te tuer, tout le monde veut te tuer, on veut te tuer, que tu as quand tu es une pauvre fille, mais tu es une pauvrade. Si depuis l'époque des anciens temps, de 1900, ouais, tu as manqué 150 euros pour faire l'annonce. Tu es une pauvre fille, on veut te tuer pour gagner quoi? Tu as quel héritage? Je peux avoir peur qu'on peut me tuer pour confisquer mon immeuble. Mais toi, on va te tuer pour garder les marmites, les vieilles marmites. On va arriver, tout doucement, doucement, on va en arriver. L'introduction, je ne suis pas à la maison, donc je ne peux rien dire. Ça veut dire que si on te donne de goût de ce qui va se passer, et je vais te clasher comme ça avec la marmite et le sac d'oignon. Le sac d'oignon chez l'arabe à 150, à 1,50€, tu as pleuré ça jusqu'à laisser les boys. C'est quoi avec toi? Tu penses que tu vas nous arracher le pouvoir sur Facebook? Donc tu vas venir faire ta nouvelle, Fleur de Lys ne va plus faire les directs, parce que tu vas venir faire la nouvelle. Attendez, j'arrange mon truc. Tu penses que c'est une fille qui a grandi avec le champ. Tu comprends? Allez puiser le marigot, tout ça, je connais. Donc, arrête tes conneries là. Tes bêtises que tu racontes là. Tu n'as pas honte. Tu as raté ta vie. Mais va trouver un blanc. Tu es mince, tu es belle, tu es ceci. Va trouver un blanc, tu vis avec. Arrête de dire que tu cuisines. Tu cuisines quoi? Je vais entrer étape par étape. Les gens que tu as arnaqués. Je vais entrer. Tu sais que très bien, je t'avais dit que je n'ai pas pris ton dossier parce que tu étais dans un moment de tourmente. Tu comprends? La femme handicapée sur chaise roulante que tu as escroqué, tu dis que moi j'ai escroqué en faisant les annonces que je présente les gigolos aux gens. N'oublie pas que ton ancien, ton totem va témoigner sur Facebook. Ton gars là que tu pleures en Suisse là, il va témoigner. Tout le monde veut te tuer. On veut te tuer que tu as quoi? Une ratée comme ça qui a raté sa vie, dis donc. On va la tuer qu'elle a quoi? Pour garder le sac d'oignon, les mamies, on va en cesser à Saint-Denis. Je vais expliquer l'histoire d'échec, comment tu as eu. Tu penses que tu peux cogner la tête de Samuel et Lady? Chacun a ses défauts et ses qualités. Hein? Je vais te clasher qu'avec la mamie et l'oignon. Parce que tu ne mérites que l'oignon de 1,40€. Tu crois que tu es qui? Quand tu vas t'asseoir, tu parles aux gens, tu peux dire quoi de moi? Tu dis que je niaise avec les chiens et les chats et les ceci. Mais c'est ce que tu as pris sur Facebook. Il n'y a que mes détracteurs qui viendront là-bas t'encourager. Et je vais te dire, je vais te détourner. Je te dis donc aujourd'hui, je vais te détourner de tes clashs. Je vais te détourner. Tu vas comprendre qu'il y a femme et femme. Tu es une femme déséquilibrée. Va voir un spécialiste. Comment quelqu'un peut tout croire qu'on va la tuer? On va te tuer. On va te tuer que tu as quoi? Même le petit, même l'œuf que tu avais, bébé ange, tu as remis au Togo. Tu as remis au Béninois. Ce que tu allais ramasser au Bénin là. Les gens, on ne témoigne rien aujourd'hui. Je n'ai pas encore commencé avec, et c'est 21 jours. Ce que tu allais prendre au Bénin. Ça va te... Je dis que je vais te détourner. Des clashs là. Tu comprends? Regarde-moi celle-là qu'un homme, un producteur, soit le tenias avec les marmites, avec une marmite, l'oignon, il manquait que l'ail.
Tu n'as pas honte, tu as pleuré. Donne-moi mes oignons. Donne-moi mes oignons. Tu n'étais pas encore chez Lady Ponce. Tu as trouvé celle que tu vas aller coller sur elle pour dire qu'elle a détruit sa vie. Moufli choquant aux gens, dis donc. Tu es qui? Elle peut avoir ses démons, s'en fout de sa vie privée. Elle peut. Elle c'est une femme, non? Est-ce qu'elle est mariée? Elle peut faire la. Elle peut faire le waka. Elle peut ouvrir ses. Elle peut écarter l'autoroute à qui elle veut. C'est une femme avant tout. Au moins ça montre que son corps répond. Toi, tu niaises avec qui? Les cafards que tu as niaises avec dans son lit, les chats. Quand vous voyez une femme qui vit chez quelqu'un, tu n'as aucun problème, mais tu filmes tout, tu gardes. C'est parce que tu as prémédité. Tu es tellement méchante. Nous tous, on peut rester avec la saleté dans la maison. Parce que tu voulais montrer qu'elle est sale. Toutes les femmes sont sales. Quand on laisse les enfants à la maison, qu'il n'y a personne, c'est comme ça qu'on retrouve la maison. Elle n'est pas la seule femme. Une maison qui n'y a pas de parents dedans, où les enfants, c'est normal. Tu vas trouver le McDo en bas du lit. Tu vas trouver, on va entasser les assiettes. C'est la première maison où on entasse les assiettes. Tu crois que tu as trop montré qu'aux gens? Tu as trop montré qu'aux gens sur elle. Ce que ses enfants ont fait entasser les assiettes sans laver, c'est ce que beaucoup... Mais c'était ton travail, tu étais la bonne chez la maison. Il fallait faire ton travail, bon sang. Il fallait laver les assiettes. Tu as signé un contrat d'aller là-bas laver les assiettes. Il fallait laver les assiettes. Comment tu étais la bonne niche que tu t'occupes les enfants? Tu fais la bonne quelque part et tu pleures. Oh, regardez comment il y a beaucoup d'assiettes. Oh, il y a beaucoup d'assiettes ici. Mais tu étais, quand tu es parti signer le contrat de où tu vas dormir, tu savais que tu vas nettoyer. Qui ignore que les enfants en Europe ne sont pas comme en Afrique? Si tu ne lèves pas la chicotte, ils ne balaient pas. Ils vont entasser les assiettes. Tu filmes les assiettes entassées, entassées. Tu filmes tout, tu gardes dans une maison. Parce que tu es méchante. Si tu n'avais rien pensé sur Lady Ponce, tu n'allais jamais filmer étape par étape. Et les crottes de chien, c'est normal. Le chien, ça, on sort le chien. Tu es à la maison, c'est quoi ton travail? Et la boniche de l'artiste, c'était quoi ton travail? C'était toi ton travail. Sortir le chien. Mais quand tu acceptes un contrat, il faut respecter. Tu ne sors pas le chien, c'est normal qu'il fasse des crottes. C'est normal qu'il fasse des crottes partout. Il faut sortir le chien. Tu n'as pas sorti le chien qui a fait les crottes et puis tu viens, tu dis, tu filmes, tu envoies. Tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle prenne l'avion pour venir sortir les crottes de chien alors que c'est ton job? Alors que tu es là pour ça? Hein? Mais c'est sincèrement, mais tu es sérieuse toi? On t'emploie pour venir pleurer, tu travailles 8 mois chez quelqu'un, tu pleures. Moi j'ai travaillé 2 ans, on ne m'a pas payé. Je suis une Congolaise. J'ai travaillé 2 ans, elle ne m'a pas payé. Tu as vu les papiers il n'y a pas longtemps. Mais travaille tes papiers, va travailler. Tu as enregistré. Moi, j'ai essayé des choses, ça n'a pas marché, c'est la vie. Au moins, ça a montré que je suis entreprenante. J'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai déposé. Il n'y a pas de honte à ça. Tu vas lire. Les histoires que tu faisais à Amazon, là, avec Amazon, là, c'est les classes, ça. Est-ce que c'est les classes? Les vraies classes, aujourd'hui, que ça commence. Tu as compris? Hein? Tu t'assois chez une femme comme toi, tu laves les caleçons. Tu appelles quelqu'un grande soeur, tu laves ses caleçons. Tu appelles quelqu'un petite soeur, tu laves ses caleçons. Tu laves ses caleçons. Jusqu'à tu étais fière, tu avais dit que je lave et je suis fière de laver les caleçons. Tu as menti sur quelque chose. Et je vais dévoiler. Je vais raconter l'histoire de Gazon. Ma Gazon, vraiment. Tu es vraiment la roue Perro. Hein? Tu as vu comment elle t'a fait là? Elle t'a encore insulté qu'elle ne peut jamais être avec cette Gazon. Tu vas boire les comprimés plus que ça. La chèvre est venue te rejoindre. La chèvre est en où? La chèvre, c'est une femme que j'ai terrassée depuis. Regarde les gens avec qui tu te joins. Tous les abeilles même qui étaient avec toi vont te fuir. Est-ce que c'est que les abeilles te soutenaient? Que moi-même te supportais même? Hein? Tu vas te rallier qui a la chèvre? À Borosangi? Donc Borosangi commente chez toi. Et elle dit qu'elle va recevoir la... C'est quoi dans ça? Ah, ouvrez les yeux, hein? Mon ancien père, ouvre les yeux, voilà Borosangi, elle va prendre son poison chez Machiavélique pour venir te déposer là-bas. Ne l'acceptez pas. Voilà Borosangi chez Machiavélique, elle commente là-bas. Elle commente là-bas, elle veut se rallier. Ce n'est pas l'autre jour que tu as salué la mère du président au Canada. De nos anciens pères au Canada, ancien tonton au Canada. Tu as salué. Maintenant, Borosangi commente chez toi. Adama, on peut faire ça, mais que on peut être aussi. Borosangi, tu sais,
J'étais à finir avec toi depuis. Tu es venu travailler sans salaire de ma faute depuis. Est-ce que tu as parlé? Tu m'as vu te parler. Je ne t'ai pas parlé. J'étais attendu pour te donner deux raclées. Tu m'attendais au stade ou c'est au parc. On t'a dit que je tournais dans les barbecues au parc. Bon sang, Guinaou. C'est toi qui veux recevoir la main de mon ancien président. C'est toi qui pars commenter ce que tu te rallies à Machiavélique. Fuyez-la. Fuyez-la. Élan. Hein? Non, je ne fais pas. Ce n'est pas encore le direct. Le direct commence quand je suis à la maison. Quand je suis à la maison, je suis posée. Je fais étape par étape. Les cœurs, ça fait déjà une heure. Mettez les étoiles de la monétisation, s'il vous plaît. Nous travaillons. C'est cette, la cuisinière, la cuistot, vous savez, les Camerounais aiment les histoires parce que tu te répètes beaucoup. Tu as déjà tout dit. Ta neuvaine là, tu clashes tout le monde, tous ceux qui sont avec elle. Tu me clashes parce que tu m'as vu avec le président Djibril. C'est pour ça. Ce n'est pas passé. Parce que tu m'as vu en Suisse avec Djibril. Djibril que tu as clashé pendant 3 jours. Qu'est-ce que j'en ai à foutre si tu le clashes? Quelqu'un m'invite, je ne peux pas passer parce que vous étiez en clash. Ben non, c'est parce que tu m'as vu là-bas. Parce que tu as lavé et rincé ce monsieur. En quoi ça te regarde? C'est mon ami. On n'a pas parlé de toi. Est-ce que c'est aujourd'hui que je le connais? Je ne t'ai pas géré. Parce que tu m'as vu en train de boire les champagnes chez le président Djibril. C'est ça qui t'énerve. Pourquoi tu mélanges tout le monde? Tu as les problèmes avec Lady Pongé, avec elle. Pourquoi tu ramasses tous ceux qui sont autour? C'est parce que tu n'as rien à servir au peuple camerounais. Tu n'as plus rien à dire. Quand je te vois que tu sors de la famille présidentielle, j'ai honte à ta place. J'ai honte. Être de la famille présidentielle, Adama, et traîner comme ça, SDF en France, c'est la pitiation offre de ça. Tu es de quelle famille? Tous les Moncam ne sont pas de la famille Moncam. Tous les Foto Vitor ne sont pas de la famille de Foto Vitor. Parce que tu es Nanga, d'un village, tu colles ça sur la première dame du Cameroun, que tu es sa soeur. La honte de ça. La honte de ça. Tu as narqué combien de personnes? Hein? Tu étais la tante des abeilles avant. C'est fini. On t'a retiré ça. Tu parles de l'anniversaire. Moi qui traîne dans les fêtes tous les jours, tu penses que j'ai besoin qu'on m'invite à l'anniversaire? Quel anniversaire même? L'anniversaire que je suis arrivé, c'est moi qui ai encore faroté plus que tout le monde. Parce que je suis une fille qui a un grand cœur. Parce que je suis quelqu'un qui s'est donné. Hein? Tu penses que tu peux me parler? Tu me connais où? Tu me connais où? Moi, je te connais sur Facebook. Et j'ai vu ta vie sur Facebook parce que tu as commencé. C'est toi qui as semé la haine des clashs dans le milieu camerounais. C'est toi qui as commencé ça. Alors, tu peux venir que je clash tout le monde. Moi, j'avais des raisons de clasher. Tu as accusé certains filles ici qu'ils n'accouchent pas. Mais aujourd'hui, une a déjà 2 enfants. Ça prouve que tu es une menteuse. Ça prouve que tu es menteuse. Tu mens. Tu es manipulatif, tu n'auras rien. Toyom, tu n'auras rien. Tu n'es pas de la famille présente. Et si tu es de la famille présente, va dire à la première dame du Cameroun de t'acheter les marmites. Si le 9 des 9 n'avait pas eu pitié de toi, te donner 2 chèques. J'ai ici. C'est Samuel qui t'a acheté les marmites. Et si Samuel t'a acheté les marmites, c'est parce que c'est Lady qui t'a mis en contact. Alors si elle a confisqué les marmites, ça veut dire qu'elle a repris ses marmites. C'est sa relation qui t'a acheté, non? Tu pleures quoi? Tu as beaucoup de relations. Tu m'avais dit que un moment, je pense que c'est le coup que tu voulais mettre dans mon sac. Tu m'avais dit d'aller rencontrer une personne au Cameroun. Après, tu m'as dit que non, j'ai peur que tu vas me trahir. Tu ne me connais pas très bien. La personne même que tu disais, je tais son nom. Tu dis que les personnalités, tu n'as pas honte de la famille présidentielle. Et c'est un Samuel Eto'o qui vient t'acheter les marmites en donnant 2 chèques. Il n'a pas donné... Il a donné 2 chèques de 7 500 euros. Et tu es parti à métro acheter. C'est à métro que tu as acheté ces marmites-là. Pourquoi tu mens? Une vraie cuisinière en partant, la chose qu'elle prend, ses marmites sont comme ses enfants. C'est des marmites-là que tu as... 10 chauffins d'iches. 15 chauffins d'iches. Ça te dépassait à prendre. Tu as pris tes marmites. Tu es une menteuse. Tu n'as aucune marmite là-bas. Oui. Parce que quand tu es cuisinière, ta marmite, c'est comme... ton portefeuille, ta mamie, c'est comme ta pièce d'identité. Quand tu es parti de là-bas, il faut que les gens réfléchissent un peu. C'est maintenant que je réfléchis. Quand tu es parti de chez ta patronne, la première des choses que tu devais prendre, c'est quoi? Ce sont tes mamites. On va dire, c'est chauffer une dish là. C'est ça que tu devais prendre. Parce que tu devais avoir d'autres traiteurs. Tu ne devais jamais manquer chez qui déposer. Tu as pris tes mamites.
Va chercher tes vieux habits de 1900 avec tes rocafi jazz et tes chaussures qui sont longues bout comme ça. Va chercher ça là-bas. Ça a la cave. On ne peut pas se démoder. Petit sœur, tu connais mes sacs de marque là-bas. Mangez les lancelles qui sont périmées. Va ramasser tes choses à la cave. Tu connais où elle habite. Va chez elle. Tu tapes le dicalo. Tu tapes le bruit. Tu récupères tes choses. Tu es faible. Parce que si je réclame mes choses aussi importantes, on est en bain. Je vais venir devant ta porte et je vais venir devant ta porte taper le tam-tam, le dicalo, la police va sortir. Tu n'as rien là-bas, tu es une menteuse. Mets le litchi que les gens cotisent. Tu crois que c'est facile? Tu as quel CV pour qu'on cotise pour toi? Appelle tes oncles ministres partout, on te donne les mamies. Les mamies de quoi? 7500 euros fois 2, c'est quoi? C'est rien. C'est comme lui, l'argent pour acheter, même le manteau de Samuel coûte plus de 15 000 euros. Il t'a donné comme si j'étais. Il ne t'a pas donné parce que tu as insulté qui que ce soit. Arrête de faire croire aux gens que quand tu insultes les gens, on te paye. Parce que mes chers frères et sœurs, sans vous mentir, on ne paye pas dans les injures. Tu as la plus sale image de Facebook avant notre naissance. Tu clashes depuis le temps de nos aïeux. Mais le clash a changé, ma chérie. Tu comprends? Tu as dit que tu es Poutine. Poutine a les vieux armes. Oui, parce que l'Ukraine a la nouveauté, la nouvelle technologie. Tu es dans les classes des anciens temps qu'on écrivait. Nous, on ne sait pas lire. Quand je lis beaucoup, j'ai mal aux yeux. Tu vas faire les directs avec tes pointinini. La dernière photo que tu étais dans ton village, c'est quand tu étais sous le manguier en train de cueillir les mangues sauvages non mûres. La dernière fois que tu étais dans ton village, il y a combien? C'était quand? Hein? J'ai dit que tu vas être mon roupéro. Travailler sans salaire, tu vas faire les directs. Les chaussures longues bout avec le cigare, poste les anciens trucs. Je vais acheter la lumière là. Demain, je vais au marché à Saint-Denis. J'achète la lumière que tu mets là. Là, maintenant, on n'est pas mis la lumière pour éclairer. Adama. Il faut aussi dire, comme tu m'as demandé toute la chirurgie esthétique, dis, déjà, un. Le prochain direct que tu fais, je veux que tu fasses 100 mètres le soutien-gorge. Ou bien tu veux que je poste moi-même que t'ai donné Faïza pour que tu partes en Tunisie. Tu veux parler de quoi? Tu es sec comme le miondo. Je ne mets pas encore parce que si je mets, je ne mets pas les bas. J'attends que tu fais le... Même si tu ne fais plus le direct, tous les soirs, fais le direct sur toi. Tu as compris? Avec tes oncles ministres, ton père qui a donné la première dame en mariage. C'est un Samuel Eto'o qui t'achète les marmites. Personne dans ta famille pour t'ouvrir le restaurant. Si tu étais une vraie fille, si tu étais une bonne personne, c'est que quelqu'un a déjà investi sur toi pour ouvrir un restaurant. Mais tu ne peux pas. Parce que tu marches avec le ndoutou. Tu es machiavélique. Ma chère grande soeur, tu m'as toujours appelé ma petite soeur chérie. Tu dis tu ma grande soeur chérie. Mais là, tu as touché là où il ne fallait pas. Parce que depuis les blogueuses parlent, tu ne dis rien, tu es tombé sur Florida. Tu crois que tu me peux? Une vieille mère comme ça qui part quémander 100 euros chez Aïcha Kamoise en pleurant. Aïcha Kamoise t'a sauvé de la famine. Tu n'as pas honte? De la famille présentée, Aïcha Kamoise, la petite Kamoise te sauve de la famine en France. C'est quoi ta vie? Tu n'as pas honte? L'autre lui dit que j'ai point et dit on a insulté sa mère. Lady Paul n'a pas appelé. Tu crois que ça dit que tu veux faire fusionner, cogner les têtes. J'ai point fait ce qu'il veut là-bas de son côté. Ça regarde Lady Paul sans quoi. Si elle appelle, elle va te dire qu'elle a appelé. Parce que tu n'as pas d'inspiration. Tu manques quoi dire? Tu manques quoi dire? Tu comprends? Tu manques quoi dire? Regarde-moi celle-là. Elle est venue en France porter les sacs d'oignons sur la tête. Tu penses que tu portes, on ne te voit pas. On te voit où? Regarde-moi son travail en France. Traîner avec les marmites partout. Mais moi, je ne comprends pas. Quand tu vas quémander faire le squatter, tu ramènes les marmites et les assiettes pour encombrer chez les gens. Tu ne sais pas quand on va squatter, on prend que les habits. Comment tu peux aller en squatter? Tu partais, tu voulais prendre la maison de Lady Ponce? Tu es parti la chasser, planter l'arbre de la sorcellerie pour qu'elle fuit et te laisse. Pour que tu gagnes la maison. On t'a donné la maison. Tu m'avais dit que le loyer là-bas était 700 euros. J'ai compris que tu es une menteuse parce qu'une grosse maison comme ça ne peut pas coûter 700 euros. Les aérés de loyer de ça. C'est toi qui devais payer ce loyer.
parce que c'est toi qui vivais là-bas. Tu n'as pas honte? Donc ton travail en France, tu es venu porter le sac d'oignons de 1,40€ et tenir les marmites en main. On veut parler, tu parles fort que oui. Oh, on a pris tes choses, on a pris tes choses, on a pris quelque chose. Ouvre un restaurant. Quand j'avais, je sortais de l'ascenseur, ça atterrissait dans ma chambre. Ça, c'était avant. On te parle de maintenant, tu es quoi? Et bien, les bazar qui lavaient tes caleçons. Et alors, nous tous sommes les anciens riches. Moi, je fus riche. Je suis une ancienne riche. Ton blanc que tu montais dans l'ascenseur, c'est-à-dire que quand tu parles même, tu manques tellement. Tu dis que tu as présenté ton blanc et on a dit que pour te chasser du mal. Alors que tu as monté les Féman, tu as oublié de dire aux Camerounais que tu travailles avec les Féman. Hein? Tu as oublié de dire que tu travailles avec les Féman. Tu travailles avec les Féman. Le fait ne donne plus. Tu as fait quoi de ça? Tu as bu le vin et les champagnes. Les gigolos ont mangé l'autre. Tu viens parler. Quand je sortais de l'ascenseur, ça atterrissait dans ma chambre. C'était avant. Ça impressionne qui en suis. Tu es quoi? Tes égaux. En Suisse, on les 5 immeubles au Cameroun, les maisons achetées ici. Tu ne peux même pas avoir au Cameroun, mais tu fais ici. Toi, tu as quoi? J'ai vu votre maison tordue au village, là, un genre. C'est quoi là-bas? C'est quelque chose. Depuis que tu es en Europe, tu parlais des centaines de mille de ceci. Tu as fait quoi dans ton village? En Anga, tu as quoi? Tu as quoi qui est écrit ton nom? Que si tu n'es pas là, on va regarder ces pleurs que ouais. Voilà la fille de monsieur tel qui a réalisé telle chose. Rien. Tu viens pleurer les oignons sur Facebook. Fiche le camp aux gens. Si tu as mal, va tomber au lac. Mets-toi la corde au cou. Tu tires ça. Tu tires ça. Qui va te pleurer? On va te pleurer avec quoi? Même le petit œuf que tu avais, bébé, tu as donné au Togolais. Tu as donné aux Béninois cadeau. Tu as pris l'enfant camerounais cadoté. Cadoté les Béninois avec. Et tu viens parler. La fille que tu as accouchée au Cameroun, tu es grand-mère combien de fois? Moi, je suis grand-mère 2 fois. Toi, tu es grand-mère combien de fois? Faites la joie de ça, maman. Ne cache pas ta joie. Même si tu n'as rien. Tu as compris? Rien ton des rien ton. Je t'attends. Moi, je t'ai dit que ça, c'est seulement l'introduction. Je vais faire les directs sur toi qu'avec la tenue militaire. Je n'ai pas les habits. Je ne change aucun habit. Tu m'as déclaré la guerre. On va faire ça sur Facebook. Mettez-moi les étoiles, parce que depuis que je parle là, j'ai seulement... Dis donc, je suis en train de parler là, même il y a seulement... Vous ne mettez pas les étoiles, pourquoi? Moi, je vais couper, hein, parce que je suis en train de parler là, vous ne mettez pas les étoiles. Tu vas faire le direct 10 heures de temps. Tu cherches qui va... Je dis que toi et moi, on va se faire ça. Parce que même on m'avait déjà oublié sur Facebook. La stamania virtuelle est éphémère. Quand tu n'es pas là, on t'oublie. Si je pars de Facebook doucement, parce que... Mon gars, le bibon, il ne veut plus que je fasse les clashs. Il ne veut pas. Mais s'il veut m'amuser, parce que ça, c'est l'amusement. Je m'amuse parce qu'il m'a dit que ça te fait du bien. Tu t'amuses. C'est l'introduction. Tu dis que je suis sorti avec qui? Que je suis qui? Que j'ai eu l'aventure avec ton frère. Il s'appelait comment? Je ne connais pas. C'est un client. Donne-moi un peu. C'est un client. C'est un costumman, maman. Quel de tes frères? Tu as les frais partout. Hein? Tu voulais rester dans le manoir jusqu'à tu avais déjà arrangé comment tu vas aller fumer. C'est mon fumoir, j'ai laissé. Tu n'as pas honte d'aller. Tu vas chez quelqu'un squatter, tu viens avec le fumoir, maman. Quand tu pars habiter chez quelqu'un, mes chers frères et sœurs, quand tu squattes, merci pour les étoiles, mes cœurs, merci. Quand tu squattes, Nanga, t'as bien à nous, Toto. Toto, maman. Attends, mamie. Hein. Attends, maman, prends. Que, prends ton truc. Prends l'eau. J'ai dit, montant ça. Tu vas même vendre les beignets. C'est toujours le travail. Tu viens insulter une diva jusqu'à tu crois que parce que tu fais les durées, les gens n'iront pas. Je vais porter toute ma famille. Je ne veux même pas. Tu as même un fan ici. Je vais payer son billet. Je paye son billet. Oui. Je vais payer les billets, les abeilles. Je vais lancer un challenge. Vous gagnez les billets de l'Olympia. Je mets 5 billets en jeu pour l'Olympia.
Vous savez quoi, que les gens vont parler, s'amuser, parce qu'elles discutent les oignons, dis donc. Nanga, t'as bien en paix, toto. N'importe quoi. Parce que tu pleures, tu racontes les conneries. J'ai des questions à poser, je vais noter tout. Le direct avec toi commence lundi. Et je continue aux États-Unis. Mes chers frères et sœurs, merci. Ce qu'elle boit souvent là, c'est l'alcool. Hein. Elle fait comme si c'était le jus. Elle boit jusqu'à... Elle-même, c'est une soulade qui n'a pas de nom. C'est une soulade jusqu'à... Elle n'est pas mince parce que... Elle a faim. Elle est mince comme ça, c'est la famine, mes chers frères et sœurs. C'est parce qu'elle réfléchit tellement, elle ne dort pas. Elle dit que, comme tu ne dors pas là, entre la cuisine et ce que tu vends et ce qui c'est là, tu parles de quoi? La plus grande escroc, c'est toi. Moi, on me donne le temps que paye sur Facebook là. On me paye ça. Donc, si quelqu'un me donne, je vais refuser. Maman, vous êtes plein de jalouse parce que vous êtes très jalouse. Parce que vous avez vu que sur Facebook, les gens m'aiment. Tu viens de raconter que les autorités, tu connais les autorités que je connais? Hein? Quand tu fais le clap, fais le cas, vous voyez que tu avais quelque chose de spécial à dire. J'avais une question à poser aux Camerounais. Nous tous, on a squatté. Comment tu veux aller squatter chez quelqu'un? Tu portes deux camions, on décharge deux camions dans la maison qui ne t'appartient pas. Tu es menteuse. Parce que le Togolais chez qui tu habitais là, les assiettes qui étaient là-bas n'atteignaient pas deux camions d'assiettes. Tu es une menteuse. Ce n'est pas la cuisine de l'époque que tu filmais quand tu attachais encore le foulard là à Coco. C'est la cuisine là que tu filmais à l'époque quand tu attachais souvent le foulard à la tête là. Tu dis que deux camions d'assiettes sont sortis là-bas. Tu es une menteuse. Yeah! Comment tu peux mentir comme ça en plein jour? Dis donc, laisse les gens tranquilles. Sur ce, je vous laisse mes cœurs. Bisous, non? Moi, je n'ai pas encore commencé. Hein. Moi, je vais commencer sans dire quand je suis chez moi. Je vais commencer quand je serai chez moi. Elle dit qu'elle avait deux camions de choses déchargées là-bas. Mais tu peux décharger deux camions dans une maison qui t'appelle. Est-ce que Lady Ponce t'avait dit qu'elle te laissait sa maison cadeau pour que tu dises que tu es venu décharger? Que tu es venu décharger deux camions d'affaires là-bas. Pourquoi tu peux mentir comme ça? Mathieu, elle a un tic pour laver les mains tout le temps, chaque seconde. Tant qu'elle ne l'a fait, elle ne peut pas manger. Elle a lavé ses mains. Elle ne peut pas. Elle va toujours laver. Mangas, vous êtes chez me sans bouga pas. Là, c'est juste. Elle ne peut pas. Papa, pourquoi tu es chaud? Tu manques, on a déchargé deux. M'en vais dans la voiture, fais le deuxième. M'en vais dans la voiture, m'en vais laisser, m'en demander ma voiture, m'assois dedans et te fais le direct. Je m'en vais faire le direct, mais que ne quittez pas, hein. Je lance, je coupe, je relance, je m'en vais dans la voiture. Parce qu'elle veut parler des gros mots. Mais elle ne veut pas parler ici. Non, laissez, je suis en famille. Je profite un peu en famille. Mais je veux que les gens détiennent que tu ne peux pas aller squatter dans une maison qui ne t'appartient pas. Tu décharges deux camions d'affaires. Tu ne sais pas ce qu'on appelle le garde-meuble. Le garde-meuble, c'est 49 euros par mois. Dans les 100 euros, 49 euros. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un garde-meuble. Pourquoi tu mens comme ça? Tu dis que tu as déchargé deux camions d'affaires chez Lady Ponce. Pourquoi tu mens comme ça? Tu as déchargé tes... Le père de tes enfants est venu te balancer les choses. Du moins, ce qu'il y avait. Parce qu'il allait se marier avec une femme. Et il ne voulait rien garder de ce qui t'appartenait. Il est venu balancer là-bas. Parce que tu passais le temps à la merder. Il a balancé là-bas. Il est venu te balancer ce que tu avais. Tu n'avais pas encore les mamies. C'était les habits et les assiettes. Va porter tes assiettes. Il y a les assiettes à la brocante. Tu peux aller jeter les assiettes à la brocante. Va jeter. Les assiettes à la brocante, c'est un centime. Va acheter les assiettes à la brocante. Dis donc, arrête tes conneries. De toute façon, on te laisse, tu crois que ma chaîne. Sur ce, je vous laisse. Bisous, non? Ça, ce sont les oignons de ma soeur. Demain, j'achète mes oignons. Ciao, mon coeur. Ciao, copain. La bouteille de champagne, après, mon cas congé là. Regarde, il y a les odeurs. Il fait chaud. Non. Il fait chaud. Je n'ai pas. Tu as toujours chauffé. Hé, maman.
Mais que je vous laisse, non. Le vrai clash commence la semaine prochaine. Demain, je suis avec sa belle famille, les Béninois. Je m'en vais chez les Béninois demain en journée. Le Njoka chez les Béninois. Ici à Sergi Pontois, c'est là-bas. Sur ce, au revoir. Quand les gens vont squatter chez les gens, ils vont avec trois habits. De temps en temps, ils sortent, ils achètent les autres un à un. Tu dis que tu es parti squatter avec deux camions. Tu déchages deux camions, c'est ta maison. Parce qu'elle parle, mais faut que j'ai déchargé mes deux camions. Quels deux camions? Qui t'a aidé à décharger? Pourquoi tu n'as pas filmé en fait tes affaires? Parce que si tu avais l'habitude de tout filmer, pourquoi tu n'as pas filmé tes choses? Tu es une menteuse. On n'accepte pas. Et si tu n'es pas content, tu vas dire. Ouais. Sur ce, bonne nuit. Au revoir. Ok? Est-ce que le temps que je la lave est arrivé? Le temps de la laver n'est pas encore arrivé. Parce que je ne suis pas en possession. J'ai beaucoup de respect pour ma famille. C'est pour ça que je ne vais pas entrer dans ça. Ce qu'elle va dire, ce sont les choses de Facebook. On m'insulte, elle va prendre ça. Oui. Elle ne peut pas me laver. Parce que moi, je vais la laver. Je vais démontrer au Camerounais que c'est une menteuse. Elle va nous dire pourquoi les autres maisons où elle a vécu. Elle va nous dire pourquoi elle est toujours partie en laissant les problèmes. Mes cœurs, ça fait une heure, on coupe. Ok? Bisous.